Bon, bah, là, derrière, il va tomber. Faut tomber, bah, il va tomber. Oui, faut me donner de l'eau. Montez. Faut donc tomber. Oui, faut me donner de l'eau. Saut du baril. Saut du baril, section communale de l'Ansavo. Yon côté qui vraiment difficile d'accès, mais yon côté qui gagne yon sorte de beauté, yon sorte de richesse, richesse pour moun zone nan et pour Ansavo dans l'ensemble. Parce que là, c'est un site touristique, puisque en pile moun qu'on vient visiter là, surtout zone 19 mai, n'a pas parlé depuis bien avant 19 mai, puisque c'est toute une semaine qui compte gagner des activités là. Et en pile monde sorti divers côtés, vini là. Mais en plus, là sont lieux mystiques. Si vous regardez là, vous avez une bougie qui est allumée, vous avez un gros pied bois. Je m'en demande après qui pied bois qui est lié. Donc là, son zone mystique, puisque Saint-Yves un peu plus haut. Et Saint-Yves, Jean Kourkonen, c'est patron avocat. Ça veut dire, le monde qui demande, l'icône Vinfel avocat. Avocat Saint-Yves qui peut défendre par rapport à ça qu'il a besoin. Donc, là, il représente un pile bagay pour le monde. Mais là, il y a un pile difficulté. Tout. D'ailleurs, si vous regardez, vous pouvez un pile nous vraiment essouffler puisque arriver là n'est pas facile. N'est pas facile parce que route là vraiment difficile. Donc c'est exactement ça nous voulons montrer à travers Grand Site Connecté. C'est des zones très reculées qui gagnent des richesses mais en même temps qui gagnent problème. Donc richesse, on a parlé de saut du baril, on belle chute, on côté qu'au café, écotourisme, on côté café. Touristes, ça y aurait les moches, mais en même temps, qui gagne un pile problème puisque route là vraiment difficile. Là, il y a un captage qui mène de l'eau différents côtés et au fait qu'on est l'eau qui ici en une sorte
de oxygène qui très bon pour moun. C'est ça qui fait gain des captages qui fait là. Ça veut dire là son richesse mais en même temps les charger problème. Donc en fait grand site connecté c'est ça, c'est montre richesse qui dans des zones vraiment reculées, pas dans grande ville, dans des zones vraiment reculées mais en même temps qui gain en pile difficulté. Nous allons parler avec une ou deux pèlerins et puis n'a gardé site là. Enzo, nous bien content recevoir nous la caillou, nous sous du baril. Dis-nous exactement lieu ça qui ça représente pour pèlerin yo. Bon, lieu ça, bon ça, solier pèlerin côté tout monde ville la prière. C'est bref, la touche natale c'est bonne zone là. À côté au ville libide, au ville au ville de bonne sacré au gbezé sacré au ville sacré au tarbeyé dans la rue. OK. Et yo fait qu'on est zone 19 mai qu'on gagne en pile monde là. C'est ça? Depuis 17, 18, 19, là toujours plein monde. Est-ce qu'on a une évaluation combien monde environ qu'on a? Bah évaluation. Mais en pile monde. En pile monde. Est-ce que monde qui sorti dans environnement en Savoie ou bien sorti l'autre côté? Dans toute section d'être. OK. OK. Mais par contre gagne diaspora. Gen diaspora, gen paysan, gen moun environnement aussi. Très bien, très bien. Donc là, nous avons dit son lieu mystique, mais son lieu touristique tout, puisque moun kon vin gade sa kap passe là. Oui, parce que gen moun ki kon visite, mais yon pa libere bien, yon pa bien, so yon vin gade. Ok, ok. Mais est-ce que les gen yon pèlerinage kon sa, les gen activité sa permet habitan zone nan, moun ki habite là, rentre ti activité, moun en nan men yon? Bon. Ça qui arrive, pendant que je suis dans la zone, je suis là, je suis campé là, et je suis en pèlerin, je suis là, je suis là, s'il te plaît, avec un peu de respect, fais un cadeau, je suis là, 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 parce que c'est pour moi, je suis là. Ok. Donc, Enzo, nous vraiment remercions, nous espérons que bagaille ta aller mieux pour moun bo isyan et puis site ça yo ta exploiter li non meilleure façon pour moun zone nan ka gen plus ti revenu nan men. Yeah. Donc merci beaucoup Enzo, c'est ton plaisir.